travaillent tous dans le compostage de proximité. Donc une filière en plein essor de gestion de tout ce qui est matière organique, donc un tiers de nos poubelles en proximité, soit donc chez soi à la maison, soit dans un jardin, soit en quartier ou en résidence. L'idée de ce festival, c'est de remettre le public dans sa position de consommateur et de lui faire poser des questions qui ne se posent pas habituellement, puisqu'on a tendance à consommer de manière automatique, par réflexe, par envie, sans jamais remettre en cause nos envies ou nos besoins. Donc on a pensé l'espace en trois zones. Une zone j'achète ou pas, et on remet les gens en situation de se demander s'ils ont vraiment besoin d'acheter, s'ils peuvent faire autrement que d'acheter en empruntant, en louant ou alors en fabriquant eux-mêmes ce dont ils ont besoin ou envie. Ensuite on a un deuxième espace, le plus long, et c'est normal puisque c'est censé être la partie la plus longue de la durée de vie de l'objet, c'est son utilisation. Donc là l'idée c'est de montrer aux gens qu'un objet on peut l'utiliser au mieux en le faisant durer, en l'entretenant, en le réparant en cas de besoin, ou voire en lui donnant une seconde vie et une utilité qu'il n'avait pas initialement. Et puis quand on a tout fait pour le faire durer le plus longtemps possible et que vraiment on est au bout, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, on évite de le jeter et on le recycle, on le donne, on lui donne une fin de vie utile qui va générer le moins de déchets possible.